Selon l'ancienne et mystérieuse légende du Jiu-Jitsu, les secrets de cet art martial redoutable étaient connus seulement de quelques rares experts qui ne les enseignaient qu'à des samouraïs fidèles et privilégiés. L'un d'eux, pourtant, sollicité par de pauvres et faibles paysans victimes des pillages et des violences répétées de troupes de brigands sans pitié, accepta de leur dévoiler les subtilités de son art. C'est ainsi que l'antique Jiu-Jitsu cessa d'être une arme à l'usage des seuls guerriers, et c'est de la synthèse de cette technique que devait naître, il y a 100 ans déjà, le judo.